Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur une vidéo qui va vous montrer comment s'entraîner à l'IM sur Escape from Tarkov, bien sûr en PvE, donc ça veut dire sans perdre son stuff, mais il faut se mettre en bonne condition. Ça ne sert à rien de partir avec une arme qui vaut des millions, parce que vous n'allez pas faire que des games comme ça sur Tarkov. Donc prenez une arme modeste, avec un équipement modeste, donc vous voyez, armure type 4, un petit casque type 4, une AK, voilà, plutôt simple, hein, voilà, de la PS pour moi. Et voilà, prenez des soins, histoire de quand même, voilà un petit sort parce qu'il faut vous mettre en condition. Le but, ça va être de vous mettre en condition et de jouer avec la mire. Il va falloir que vous appreniez à mettre des têtes à la mire parce que, au corps à corps, quand l'ennemi est à entre 0 mètre et 10 mètres, peut-être 15, ça dépend après votre skill. Le mieux, c'est de jouer à la mire pour gagner du temps. Voilà. Donc, vous allez mettre PMC, vous équipez comme vous le souhaitez. Factory, 15 h. Vous activez le mode offline, vous activez le mode PVE. En difficulté, vous mettez facile. En quantité, vous mettez horde. Vous allez voir, vous allez laguer un petit peu parce qu'en fait, ils vont tous se spawner. Il va y avoir une grosse perte d'FPS. Et le but, c'est d'y aller à votre rythme, en fait, hein, faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez tenter des stratégies, tester des choses, n'hésitez pas. Donc. Enfin, faites comme votre sauce. En fait, moi, je vous montre juste la voie et après vous vous adaptez à ce que vous faites. Voilà. Donc, le but. Moi, j'aime bien. Vous voyez, ils arrivent par dizaines. Hein. Après, ça va laguer. Après, ça va revenir. Ils vont être une grosse quantité. Donc, concentrez-vous. Là, le but, on les souterrains de l'autre côté. On va jouer dans les souterrains, on va faire un peu la John Wick à la Frank Castle. On va essayer d'aller chercher doucement pour pas mourir d'un coup. Voyez un peu les tirs. Facile ça. Voilà, vous voyez un peu. Je suis pas le plus fort, hein, loin de là, bien sûr. Et de temps en temps, ça fait travailler un peu la IM et les réflexes, principalement. Ah, j'essaie de changer d'environnement sans me faire tirer dessus. C'était un celui-là. Faut jouer avec l'environnement, je prends les armes d'escave et tout. Voilà. Surtout ce que vous ramènerez ne sera pas compté dans le jeu à la fin. J'aime bien ce fusil à pompe. On fait le tour de la map, on essaye après de prendre des angles un peu plus larges pour prendre plus de risques en fait. Hop là, j'essaie de prendre mon hémorragie. Voilà, donc on s'en fout le nombre de temps que vous durez. Hein. C'est pas le but du jeu, le but c'est vraiment de s'entraîner à l'IM. Donc là, vous voyez, je me suis pas réparé volontairement un bras. C'est cher. Là, je vais aller jusqu'à la mort. Je vais aller jusqu'à la mort. C'est barré ce bâtard! Je vais le chercher avant de mourir.
pas en bon état là, mais ça va. Ça va le faire. Allez, un petit ibuprofène, histoire de tenir un peu 2 minutes de plus. Là, c'est des conditions qui sont extrêmes, hein. Un Tarkov, bien sûr. Prenez votre temps pour. J'adore cette arme. Beaucoup de gens la détestent, mais moi je l'aime bien. Je vais essayer de prendre un distance comme ça. Ouais, bien sûr, dans le vrai jeu, il m'aurait défoncé les gars. Après, vous pouvez changer de difficulté aussi. Hein. Ouais. Нехороший вы, блядь, человек. Понятно. Avec le son, tout ça, bien sûr. Là, vous avez de quoi vous faire plaisir, hein, avec les armes, bien sûr. Voilà, donc là, je reprends un peu de mission, hein, j'arrive à survivre. J'ai exprès de pas me soigner, parce que le but, c'est pas de rester non plus 20 ans. Après, c'est autant que vous avez besoin. Et bon, on va finir avec le petit pistolet tout pourri. C'est de la merde cette arme. C'est de la merde cette arme. Il meurt pas ce bâtard. J'ai envie un petit côté marrant quand même, hein. Oh. Voilà, c'était la balle qui m'a terminé. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit entraînement à faire de temps en temps. Après, vous pouvez changer les maps, faire ce que vous voulez. Mais c'est une technique parmi tant d'autres. Vous voyez, ça m'a permis de tuer 23 scavs. Après, vous pouvez regarder combien de fois vous avez mis dans la tête. Sur les 23, j'en ai fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dans la tête. Donc vous voyez, c'est pas ouf. Le jour où vous arriverez à faire 100% dans la tête, voilà, du jugé. Après, j'ai joué la pompe à la fin, la MTS 255, quoi. Donc, abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, je dis vous, ciao, banzai!